aujourd'hui, le corps du Christ est divisé sur la Shekina. Pendant des années et des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années, tout était clair sur la Shekina. Quand on disait Shekina dans les églises, Shekina, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Ainsi, il y a des églises qui portent le nom de Shekina. Il y a des enfants qui portent le nom de Shekina. Il y a même des serviteurs de Dieu qui portent le nom de Shekina. Même des groupes musicaux qui portent le nom de Shekina. Même des chaînes de télévision qui s'appellent Shekina. Parce que pour nous, Shekina, c'est la gloire de Dieu manifestée. Mais il y a aujourd'hui des rabbins juifs qui viennent de dire que la Shekina n'est pas la présence de Dieu. Selon les cabales juives, c'est-à-dire l'occultisme des juifs, la Shekina, c'est un démon qui a la forme d'une femme. Et ainsi, ils disent que ceux qui sont dans les églises de réveil, qui disent Shekina, invoquent notre Shekina. Ah oui, il y a même des gens qui n'arrivent plus à chanter Shekina, à dire Shekina. Et si tu dis Shekina, tu es sataniste. J'aimerais répondre à cela et on va finir. Voici, c'est vrai, dans les cabales juives, il y a un démon qu'on appelle Shekina. C'est vrai. Voici, c'est vrai, dans les cabales juives, il y a un démon qu'on appelle Shekina. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Prenez un dollar dans votre poche. Regardez le grand sceau. Vous remarquerez dans l'envergure de l'aigle, vous verrez l'étoile de David, faite de 13 étoiles. Pourquoi est-ce que l'étoile de David est là-dedans? Autour de cette étoile, le nuage et la gloire Shekinah éclatent, symbolisant la gloire Shekinah qui était au-dessus du tabernacle. George Washington a dit, « Je veux que ce soit sur le dollar pour que les gens reconnaissent la contribution que le peuple juif a fait aux États-Unis d'Amérique. » Non seulement on enseigne aux chrétiens d'aujourd'hui d'être pro-juifs et pro-Israël, mais en plus, d'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme « Shekina », comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament, alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Donc la Shekina fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que « J'ai eu l'idée que Dieu est une femme », il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekina, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. La Shekina est la indwelling présence of God in the universe. It's what emanates from the being of God. La Shekina est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekina et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekina. Shekina est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekina, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Shekina est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekina, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Shekina. Shekina, 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 oh Shekina, 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 ayarara. Exprime-toi, Shekina, oh Shekina. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent.
La Bible chrétienne enseigne que l'homme fut fait à l'image de Dieu. Et dans le premier épître aux Corinthiens, la Bible dit, « Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. » Donc, selon 1 Corinthiens 11, l'homme ne doit pas couvrir sa tête, parce que l'homme est à l'image de Dieu, contrairement à la femme. C'est pourquoi, même dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, la Bible dit, « Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Ils furent créés mâle et femelle, mais l'homme fut créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie d'être à l'image de Dieu? Ressembler à Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il était un homme et Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère la planète Terre en tant que mère et l'esprit femelle et la déesse et la Kabbale et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses. Ceci est la forme de la lettre Shin, à l'alphabet hébreu Shim, une lettre très intéressante dans la langue. C'est la première lettre du mot Shaddai. La première lettre du mot « Shalom » et la première lettre du mot « Shekinah », ce qui est le nom de l'aspect féminin de Dieu. Alors, l'un de mes plus grands combats que j'ai toujours eu dans cette génération, je serai vraiment humble dans le Seigneur pour le dire, c'est des fois, ce n'est pas évident pour moi de diluer un message et pédagogiquement de le donner comme je l'ai reçu. Voyez-vous, ça fait quelques années, par la grâce de Dieu, je suis l'un des hommes de Dieu francophones qui a donné, excusez-moi, par qui Dieu est passé pour donner une lumière sur le ministère des anges. Je considère, moi, que les anges sont des esprits au service du Seigneur. Oui, oui. C'est le Seigneur qui doit être prêché. Mais quand vous parlez du ministère des anges, qu'est-ce qu'un chrétien qui apprend ce genre de choses? Ça change quoi dans sa vie? C'est là qu'on dit de vous que vous commencez un peu à détourner le message, centraliser le message sur Jésus, au lieu de nous parler des anges, par exemple. Non, vous savez, par exemple, aujourd'hui, l'une des voies par laquelle la reine de Saba a connu la gloire de Salomon, c'est par la gloire de ses serviteurs. C'est par la gloire de ses serviteurs qu'on a connu la gloire de Salomon. Autant que l'on voit la gloire d'un Seigneur par ses sujets, autant que le Seigneur veut en voir la gloire de ses anges, que nous puissions voir la gloire de ce qu'il est. Et c'est la méthode que Dieu est en train d'appliquer aujourd'hui. Nous ne parlons pas des anges dans le terme de les adorer. Nous ne tombons pas dans le piège de l'église de Colosse pour ne pas faire le culte des anges. Nous ne sommes pas là. Mais nous voulons révéler aux chrétiens, à part le fait qu'on vous ait beaucoup prêché sur vos ennemis, vous devez aussi connaître vos alliés. Vous connaissez bien l'histoire du serviteur d'Élisée. Il était avec son serviteur et tôt le matin, ils ont vu une grande armée qui sont venus pour leur arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur a eu peur parce qu'il n'avait les yeux fixés que sur les ennemis. Mais le temps est arrivé où le prophète a dit, sois calme, parce qu'il voyait ce que l'autre ne voyait pas. Il pouvait voir en esprit. Et il a vu une grande armée qui était autour de lui. Il a prié pour son serviteur, il a vu et il a pu voir, il a pu avoir l'assurance parce qu'il ne voyait que les ennemis. Et lorsqu'il a vu les alliés, il a eu la paix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur, sont devenus suspicieux, sont devenus haineux, sont devenus mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent que leurs ennemis. Les chrétiens ont peur de dormir, même lorsqu'ils prient, lorsqu'on dit par exemple à l'église que c'est le temps de l'adoration. Beaucoup de chrétiens n'arrivent même pas à pouvoir adorer. Mais quand on dit combat spirituel maintenant, vous allez voir comment les gens vont battre les mains et vont pouvoir prier. Les gens sont plus habitués à la présence du diable qu'à la présence de Dieu. Alors que dans Apocalypse, Christ a reproché l'église d'avoir sondé les profondeurs de Satan.
La Bible ne dit pas connaissez et cherchez à connaître l'ennemi ou bien votre arbre généalogique, mais on dit chercher à connaissez et chercher à connaître l'Éternel. Donc le royaume des cieux est composé de toutes ces choses. Il y a le roi des rois, il y a son armée, et ce n'est pas mauvais si on parle de ses alliés qui sont avec nous. Prêcher l'évangile ne veut pas dire prêcher Jésus. Prêcher l'évangile veut dire prêcher la parole de Jésus. La parole de Jésus, c'est Jésus lui-même. Non, la parole de Jésus parle aussi de l'amour. La parole de Jésus parle aussi du pardon. La parole de Jésus parle aussi du royaume. La parole de Jésus parle aussi de la famille. La parole de Jésus parle aussi des anges. C'est un sujet dont on a parlé dans les Écritures, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas qu'à cause de certains abus que l'on puisse nier la vérité. La vérité reste la vérité. On doit prêcher la parole autant que je parle du Saint-Esprit, je parle de Jésus. Ceux qui me connaissent savent comment est-ce que je parle beaucoup de la personne du Saint-Esprit, beaucoup de la personne de Jésus. Mais ce n'est pas que l'on parle des anges. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est anti-biblique alors que la Bible raille cela? Mais si la Bible en parle, nous devons en parler. Alors, le ministère opère avec le ministère des anges. Dites-nous un peu, vous voulez dire quoi? De quoi est-il question ici? Notre but est de pouvoir permettre aux chrétiens d'atteindre une autre dimension spirituelle que dans laquelle ils sont aujourd'hui. Voyez-vous, Papa Perrault, les défis dans lesquels nous sommes aujourd'hui, le contexte de l'école nous sommes, non seulement sur le plan politique, que sur le plan national, que sur le plan international, le diable a aussi une armée, le diable a aussi un système. Un système qui s'est implanté, qui infiltre les banques, qui infiltre les églises, même jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens-là opèrent avec des esprits mauvais. Mais Dieu a disposé les esprits pour nous, afin que nous opérions avec eux. Imaginez-vous un peu, on vient de tuer Jacques, Pierre est arrêté, le lendemain on devait le tuer. Mais qu'est-ce qui se fait? L'église prie. Et lorsque l'église prie, elle prie à Dieu, Dieu a envoyé des anges, un ange. Et cet ange a sorti Pierre de prison de manière surnaturelle. Nous voulons montrer aux chrétiens comment vous pouvez activer le ministère des anges avec vous. Comment vous pouvez mettre les anges en mouvement tout autour de vous. Nous ne parlons pas ici d'adorer les anges ou de prier les anges. Ça devient compliqué, François Joël, toute cette situation. Activez les anges, prions les seigneurs. Pourquoi vous ne voulez plus l'évangile simple? Pourquoi l'évangile n'est plus prêché dans ce pays dans sa simplicité légendaire? Prions les seigneurs. Le seigneur va décider d'envoyer les... Est-ce que c'est à nous d'activer le ministère des anges? C'est là qu'on parle de cette affaire d'angéologie. Il y a quelqu'un aujourd'hui... L'angéologie fait partie de l'angéologie. Angéologie est un miracle, miracle. Est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Suivez-moi bien. Un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Et le jour où l'homme tombe dans le péché, Dieu dit tu mourras. Mais physiquement, il n'est pas mort. Son esprit est mort. Il est resté un homme animal. Excusez-moi l'expression, c'est la Bible qui le dit. Un homme animal parce que l'animal n'a que le corps et l'âme. Il est resté un homme animal. La dimension de l'esprit a été éteinte, a été détruite. Et lorsque Jésus arrive, il parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous permet donc de renaître en esprit. Nous redevenons des esprits. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on dit que l'homme est composé de l'esprit, corps et âme, trois parties. Moi, je dis plutôt, et la Bible confirme, que l'homme est un esprit possédant un corps, et une âme et habitant dans un corps. Et ce corps, c'est un véhicule. Et cet homme-là, lorsque Jésus les réconcilie à Dieu, mais il entre en contact avec le monde des esprits. Parce que le monde des esprits se divise en deux. Il y a un monde des esprits mauvais, il y a un monde des esprits bons. On parle de monde, le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Non, mais ça contredit tout ce que la Bible nous dit, par exemple, pasteur, que celui qui a un problème s'enferme dans sa chambre, prie le Seigneur, recommandez votre sort à Dieu, il agira. Lorsque vous venez et que vous nous dites qu'au-delà de cette prière-là, au-delà de ce que nous faisons, il y a des esprits qui viennent à notre secours, les gens se posent la question de savoir quels sont ces esprits. Nous savons dans la Bible que nous n'avons que le Saint-Esprit et Jésus. Mais vous affirmez qu'un membre de l'ordre de Melchisédek bénéficie du concours de certains esprits qui interviennent dans son cas. C'est ce que je viens de lire. Le problème qui me choque de temps en temps quand je vous reçois les pasteurs, je commence de temps en temps à trouver des similitudes entre ce que vous dites et ce qu'on voit dans le monde que vous qualifiez, vous, de monde occulte. Finalement, on ne sait plus qui copie l'autre. Mm. Vous parlez de l'esprit, il y a eu une polémique ici à Kinshasa sur ces phénomènes des gens où les gens doivent commencer à sortir à l'esprit, aller opérer. Donc, ça m'a étonné. Vous habitez Bujumbura, moi je peux sortir ici, je vais chez vous à Bujumbura, j'influence votre esprit. Alors, quand vous dites tout ça, j'ai comme l'impression qu'on baigne également dans cette jarre d'étendre. J'étais à Bujumbura, je suis venu ici à Kinshasa. Mmh. Sans avoir pris l'avion, où est le problème?
Ah, vous sortez, vous également? Je sors beaucoup. Je sors tout le temps. Ah bah, là, ça, ça devient compliqué, ça. Non, mais je sors facilement, c'est pas un problème. Où est le problème? C'est l'expression sortie de son corps. Ça ne vous est jamais arrivé de prier, de voir que vous êtes quelque part? Non, mais c'est pas vous qui décidez de quand vous allez sortir. Le problème, il est celui-là. Ah, là, maintenant, il y a certaines choses qu'il faut expliquer aux gens. Je crois que dans la parole de Dieu, il y a des dimensions qui dépendent du niveau d'âge que l'on a avec le Seigneur. Je ne parle pas ici du voyage astral. J'étais occultiste et je connais bien ces choses. I believe that this is one of the most important things that we can teach people, that their thoughts are extremely powerful. And not only that their thoughts are powerful, but your thoughts actually turn into your life in the future. I'm sure we've heard the saying, well, it's all in your mind. Well, to be honest, a lot of our successes, our victories, are all in our mind. That's where they start. You can think yourself into a mess. You can think yourself into a place of victory. One of the reasons why people buy so many resources in the mind is because it's one of the hardest areas in our life to get under control and to keep under control. Secret is the law of attraction. Everything that's coming into your life, you are attracting into your life. And it's attracted to you by virtue of the images you're holding in your mind. It's what you're thinking. You see, whatever is going on in your mind, you're attracting to you. Now, wise people have always known that. You can go right back to the ancient Babylonians. They've always known this. It's a small, select group of people. Why do you think that 1% of the population earns around 96% of all the money that's being earned? Do you think that's an accident? It's no accident. It's designed that way. They understand something. They understand the secret. And you... We'll be right back.